Méditation guidée, la cathédrale de l'intuition. Vous vous placez dans une posture confortable, favorable à la méditation. Les paupières closes, vous détendez le bras droit. Le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche. Le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les épaules et le cou. Les épaules et le cou parfaitement détendus. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires. Les joues, les muscles autour des yeux, le front, tout le visage détendu, tout le corps détendu. Maintenant, vous vous imaginez sur le parvis d'une cathédrale, vous contemplez la belle façade de cette cathédrale. Il y a deux tours. Plus bas, en face de vous, le portail, au-dessus des sculptures. Vous poussez l'une des portes et vous entrez à l'intérieur de l'édifice. Vous pénétrez dans la nef et vous vous dirigez dans la direction du cœur. Parvenu dans la croisée du transept, vous pouvez admirer les vitraux situés au-dessus du cœur. Puis, à gauche, une magnifique rosace. Et enfin, à droite, une autre rosace aussi harmonieuse. Vous vous sentez baigné par les reflets colorés de ces différents vitraux qui se projettent sur vous. Sentez-vous pénétré par ces vibrations colorées qui vous apaisent intérieurement. Voyez cela sans cela.
En cet endroit où vous sentez une énergie ambiante très forte, vous vous asseyez et là, à la croisée du transept, vous ressentez comme un vortex d'énergie. Ce phénomène se traduit tout d'abord par un tourbillon d'énergie, un mouvement en spirale tout autour de votre aura. Ce courant descend et monte en spirale tout autour de vous, vous délivrant de toute tension, de toute peur. Au fur et à mesure que ce courant d'énergie tourne autour de vous, vous vous sentez de plus en plus léger, allégé, libéré de tous vos soucis, de toutes les pensées parasites qui pouvaient encombrer votre mental. Votre mental devient si léger, si tranquille. Voyez cela, sentez cela. Puis, maintenant, ce vortex se place au-dessus de votre tête, juste au-dessus de votre chakra coronal. C'est comme un entonnoir tourbillonnant dont l'extrémité supérieure est évasée et large. Et la pointe de la base pénètre dans votre chakra coronal, le nettoyant de l'intérieur. Ressentez cette sensation de purification et d'illumination de votre chakra coronal. Voyez cela. Sentez cela.
Cet entonnoir d'énergie rétablit un canal de communication que vous ressentez jusqu'au centre de votre crâne. En même temps, cela fourmille au sommet de vos tempes. Vous voyez deux tubes de lumière verticaux qui s'ouvrent au sommet de vos tempes. Cela vous fait penser un peu aux vitraux représentant Moïse. En tout cas, ces canaux antennes vous permettent de recevoir de bonnes intuitions précises et claires. Ainsi, dans cette cathédrale où vous vous sentez si paisible, si bien relié aux forces bénéfiques de l'univers et des hauts plans spirituels, vous pouvez poser vos questions et recevoir des réponses intuitives, c'est-à-dire par sensations agréables ou désagréables, lourdes ou légères, tendues ou relaxées, autant de codes vous apportant réponse à votre questionnement. Vous pouvez poser votre première question et être réceptif à la sensation réponse. Maintenant, vous pouvez poser votre deuxième question. Enfin, vous pouvez poser votre dernière question.
Après avoir remercié pour ses réponses, vous avez la sensation de rentrer vos antennes dans l'intérieur des tempes. Vous vous dirigez vers la sortie. Vous fermez la porte derrière vous. Vous descendez les marches et vous retrouvant sur le parvis les images, les sensations s'effacent rapidement. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.